C'est parti, on va se lancer dans la vraie fin de Death Door. J'ai préparé quelques trucs, tels que les Life Seed. On les a toutes. Donc, peut-être qu'on va pouvoir avancer pas mal sur la vraie fin. Je crois que les cancers rouges, c'est qu'il me manque des trucs à trouver. Hein. Ça doit être ça. Alors, la clé. Ah oui, c'est vrai, il y a... Parce que, souvenez-vous, quand on a battu le dernier boss, le maître des portes, quand son corps a été extirpé par... comment il s'appelle déjà? José Pulture, je crois que c'est ça. Et ben la clé est tombée, donc on va prendre la clé. Et je sais déjà où est-ce que... Tu as trouvé une clé de clocher rouillé, je sais déjà où est-ce qu'on doit aller. Le maître des portes a dû la laisser tomber. Il faut qu'on aille au cimetière. Alors, le clocher, il est où? Je me rappelle plus. Je crois qu'il faut qu'on monte par là. Alors, je me trompe de touche avec Caravan Palace. Palace. Rien à voir, ça, c'est un groupe de musique. De musique. Caravan Sandwich. Alors, le clocher rouillé. Il est là, je crois. Hein. Mais non. Il est là. Inspecter. Je peux pas grimper? Ah si. C'est juste qu'il n'y avait pas écrit. Pimpin. Hop. Ouais, c'est bien ce que j'avais lu. Maintenant, il fait nuit. Mais... Je sais pas... C'est un ennemi. Il me suit. Il me fait pas de dégâts. Il m'attaque pas. Est-ce qu'il y en a d'autres comme lui? Faut les amener là. Étrange. Il est où José Pulture? Il est là. Il dort. Bonsoir Faucheur. Je ne dors plus vraiment. Je m'allonge ici tous les soirs. Imaginons ce qu'on doit ressentir quand on n'est plus vivant. Si on était mort, est-ce qu'on le saurait? Il a disparu le fantôme. Peut-être qu'il faut qu'on aille à la porte. Enfin, aller voir la mort carrément. Je sais pas si elle est toujours là-bas, mais... Ça lui fait rien qu'on lui tape dessus. Les bombes passent au travers. Ça recharge notre mana. Ça, c'est une plante, ok. Il n'y a plus de musique et tout, c'est giga anxiogène. Oh là là, ça fait peur, les. J'ai lu sur internet que la truelle, ça faisait quelque chose. Peut-être qu'il faut que j'aille dans le jardin secret d'Omarmite.
T'es si anxiogène sans musique. Pas de fantôme. Il est où le jardin secret déjà? Ah si, quand même, il y a de la musique. Il y a toujours des ennemis la nuit. C'est pas sûr. C'est où déjà? C'est pas par là, c'est plus haut. J'ai bien l'impression qu'il n'y a plus d'ennemis. Qu'est-ce que c'est? Pas là, lui, normalement. Waouh! Du poison. C'est bon, on y est. Omar Mitella est là. Et oui, du coup, on a fait toutes les live seeds. C'est ouvert. Sacré bon sang de bois! Tu as réussi à faire pousser des fleurs dans tous mes pots! Bravo, face de bec! Tu as les pouces plus verts que moi! Quoi, tu n'as pas de pouces? En tout cas, c'est épatant! Je sens que l'esprit de la nature t'est reconnaissant pour ton obligeance. On récolte ce qu'on sème! C'est si plaisant de voir tant de nouvelles fleurs dans les environs. Elles sont encore plus belles sous la lune, tu ne trouves pas? Allons voir. Tu as trouvé une ancienne tablette de savoir. Tu sens son regard pénétrer ton âme. Ah ok, on a une tablette. Il faut en trouver 7, je crois. Donc on en a déjà trouvé une. Où est-ce qu'on les voit? On les voit pas. Oh là là, ça va être infernal. Est-ce qu'il y en a une dans le cimetière? Quoi il sert ce fantôme dans le cimetière? Est-ce qu'il y en a une chez les sorcières? Dans la maison de la sorcière? Est-ce que je peux avoir des indices? Coucou mon chat! Il n'y a plus personne pour me donner des indices maintenant. Dieu, pardon! Et du coup, j'imagine qu'on peut mettre notre tablette sur la grande porte qui est ici. Attendez, mais je fais le tour à chaque fois, mais je crois qu'il y a un passage plus rapide. Je repars là.
C'est un nom de fantôme ou c'est le même? C'est là qu'il faut les la tablette. Que j'osais plus le dire autre chose. J'ai perdu un ami cher autrefois, je l'ai enterré sous la clarté de la lune. Depuis ce jour, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Je me demande si je pourrais me sentir à nouveau entier. Qu'est-ce que je fais avec ce fantôme? Est-ce que je dois l'emmener quelque part? Pas jusqu'à la porte, apparemment. Ça ferait pourtant sens. Six fantômes qu'il faut ramener jusqu'à la porte. Ou bien faut ramener tous d'un coup. Peut-être que José Pulture, il en dit quelque chose. Non. Il est toujours là l'autre du coup, ou il n'y en a qu'un seul en fait? Il était plus bas, hein. Il y en a deux. À quoi ils me servent ces fantômes? Faut que je les emmène quelque part, mais où? Et surtout, combien sont-ils? Y en a un autre là. Venez, venez. Viens des, sois pas timide. Ah, faut les amener au statut. Ok. On va toutes les chercher, hein. Je sais pas où est-ce qu'elles sont. J'ai récupéré mon point de vie, moi. Peut-être qu'il y en a près de leur emplacement. Je suis bien suivi, hein. Je sais qu'il y a un succès si on se fait suivre par 100 petits. Un petit truc comme ça. Y a rien plus loin. Ah, y en a un là. Je l'avais trouvé où le premier fantôme? Alors est-ce que là, ça n'a rien fait à la porte? Ok. C'est près de l'emplacement du coup. Le premier fantôme, c'était par où déjà?
suis déjà allé par là. Hein. Je sais plus. Je crois que oui. Peut-être là-haut. Ah, est-ce qu'il n'y en avait que trois ou il y en avait d'autres? Y en avait peut-être d'autres. Il y en a d'autres. Ah merde, c'est celui-là qui était calé là. Ah non, regardez, il y en a encore un en bas. Oh merde. Ah si, c'est bon, il y en a deux. Ok. Ça, c'est le début. Je crois. Non? C'est où ici? Oui, si, c'est le début. Il y fait jour d'ailleurs. Ouais, voir. Est-ce qu'il y a d'autres fantômes quelque part? Je me trompe tout le temps de touche. Par ici, on a déjà fait. Il était là. Par ici, c'était le les crapauds. Ouais. Oh. Je sais pas qui c'est, mais ok. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres fantômes. Hein. Ah si. Où est-ce que tu vas, toi? Là-haut, j'imagine. Allez, on se magne. Non, viens dès. Ici. Et toi, tu vas où? Par là, vous pensez? Je suis pas sûr, mais dans le doute, on va y aller.
J'ai peur de les avoir décalés de lieu. Je crois bien que c'est pas par là, hein. Parce qu'ils sont proches du lieu où ils doivent aller, mais j'ai peur que j'en ai emmené un au mauvais endroit et que du coup tout soit décalé. Où est-ce qu'il va? Par là, maybe. Pas l'impression. Par là. Non plus. Bah merde, il va où? Je pense qu'on en a décalé un. Tu vas où, toi? Par là. On est déjà passé par là. On va refaire le tour, écoutez. Y a quoi par ici? C'est pas par ici. Je me trompais de touche à chaque fois, je le pense. Je le pense bien. J'ai un nouveau pote. On est allé à tout à droite, je sais plus. Merde. C'est où? Je suis du père. Est-ce que je suis censé t'emmener, toi? Viens, viens, viens. C'est bien mystérieux tout ça. Où est-ce que tu vas? Où est la statue? Où est la statue qui doit t'accueillir? Ici, il y en a déjà une, je crois, plus loin.
plus à droite. Je vais l'emmener jusqu'où ce fantôme? Viens, viens, viens. C'est pas vrai, ça. Ça m'étonnerait qu'il faille utiliser le grappin. Deuxième botte aujourd'hui, eh bien, on est gâté. Je sais pas si vous le voyez, vous, dans le chat. Et comme il s'affiche pas sur le chat de Streamlabs, je sais pas si vous le voyez. Les modos le voient, ça c'est sûr. Où vas-tu? Je sens que ça va regarder la solution. Ici, on en vient. Qu'est-ce qu'il y a plus loin? Je les ai tous faits, hein. Je pense qu'il en manque un et je le trouve pas et c'est chiant. Il va où, bordel? Explore un peu sans lui, hein, parce que sinon, mes Milan pour aller je ne sais où. Où est-ce qu'il est censé aller? Pas aussi loin de son endroit, quand même. Ici, on a fait. Après, ici. Je le trouve pas, son coin. Je trouve pas sa statue. Je l'ai perdu lui aussi en plus maintenant. Si on a trouvé les deux. Là, on revient au début. Je pense qu'il va falloir regarder une solution. Hein. Je sens, je sens, je sens. Je l'ai perdu en plus, je sais pas ce que j'en ai fait. Il est où? L'avait laissé par là, je pensais. Où est-ce que je l'ai laissé? Pas par là, je crois. Vous savez pas quand on va quitter la zone et on va revenir. Et on va regarder une solution.
envoyé une vidéo. Attendez. Une vidéo de cuisine. Hop. Oui, donc je voulais regarder. Desdor. Vrai. Fin. Pas tous les succès, je m'en fous. Guide de fin secrète de la porte de la mort. Ah, c'est un site qui est normalement en anglais, mais. Guider les fantômes dans le cimetière perdu. 1, 7 d'entre eux ont besoin d'aide. Ces fantômes roses, hein, doivent se rendre à leur statue. J'aimerais bien avoir. Alors. Les sept ghosts. Va plutôt regarder une vidéo. 50 minutes. Non, non, mais ça, c'est toute la vraie fin. Je veux juste les fantômes. Il veut pas l'ouvrir. Voilà. Mais non, mais je veux que tu l'ouvres sur YouTube, pas sur Google. Visite. Mais il commence d'où? Il commence de. Ah non, il commence de là. On va retourner. Je me fais lécher la main par le chat. Va retourner à la tour. Tu me chatouilles, pourquoi tu me lèches les mains? Ah, c'est pas par là. Hop, normalement c'est là. Exact. Alors attendez. Je fais sur mon téléphone parce que déjà je peux mettre pause plus rapidement. Et surtout, pour faire, je suis obligé de faire des alt tab à chaque fois pour revenir sur la vidéo, pour mettre pause sur la vidéo, etc. par rapport au jeu. Donc c'est chiant. Donc je suis sur mon téléphone. Je fais le même chemin que lui. Lui, il a des fantômes qui le suivent parce qu'il les a pas encore fait, mais moi non. Donc, je fais exactement le même chemin, comme ça je me perds pas. Il va monter là, j'imagine. Celui-là, on l'a fait.
Il faut remonter. Je suis concentré, hein. Où est-ce qu'il va? La vraie fin, j'aurais tellement dû la faire hors stream. C'est tellement pas streamable. Ah, il est là. Ah merde. C'était celui qui allait là. Shit. J'imagine qu'on va suivre le même chemin que lui, sauf qu'on va aller beaucoup plus lentement, parce qu'on a un fantôme qui nous suit. Allez, viens! Il a arrêté. Et monter par tous les escaliers à gauche. Ok, c'est pas celui-là. Shit. J'ai fait le tour avec tous les autres fantômes sauf avec le bon quoi. Il va où ensuite? Il remonte. Ouais, là il y a les deux. Il emmène le premier. Il remonte. Tac, tac, tac. Ah, les fantômes qui mettent 1000 ans là à se déplacer, c'est insupportable. Et évidemment, j'ai pas fait celui qui est tout au bout. Le tout dernier. Viens dit. Pourquoi il fait demi-tour? Trop bizarre. Encore demi-tour. Est-ce que c'est avec un fantôme qui le suit? C'est bête, je devrais vous mettre la vidéo en vrai. Il va où ensuite? Je crois qu'il retourne tout là-bas. Je vais y aller parce qu'après peut-être que le chemin continue plus bas, mais bon, j'ai l'impression que c'est pas très opti son truc. Ok, il le fait descendre. Il remonte l'échelle. Tac, 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 tac. Ok. Il
Nous voilà là, ok, très bien. On remonte. Viens, viens, viens. Si seulement il n'était pas aussi lent pour nous suivre, ce serait quand même merveilleux. Allez, on doit bientôt y être là. Il était là. Et je pense que c'est le dernier. Yay! Et du coup, ça ouvre cette porte. Ok. Et ça nous donne une tablette. Il y a sept tablettes à avoir. Coucou petit chat, c'est Nyx. Bonjour Nyx. Tu as trouvé une ancienne tablette de savoir, tu sens son regard pénétrer ton âme. Alors, la prochaine étape, c'est quoi? Estate of the Urn Wedge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça c'est... Ah non, c'était les 5... c'était 56 qu'il fallait mettre. J'en ai mis 100. La troisième, c'est quoi? Troisième tablette, j'imagine que c'est dans. Faut trouver trois hiboux. Oh, j'ai la queue dans la tête. J'ai la queue dans la tête. Faut trouver trois hiboux. Trois hiboux, pardon. Voyons voir. Par où puis-je passer pour retourner dans le domaine de la sorcière? Wow. Bon, la paix, toi. Ah, tu me suis? Tu me suis très bien, très bien. Je me suis jusque là. Allez hop, dégage. Il est tombé dans le vide, ce bolos. C'est par là déjà, non? La porte. Oui. Cimetière oublié, c'est fait. C'est où déjà le domaine de la sorcière? C'est pas là, hein? Non. Donjon fongique. C'est pas là, c'est en haut. C'est quoi ce bruit métallique? Qui c'est qui tape sur quelque chose? Non, là c'était le maître des portes. C'est là alors. Laboratoire de la sorcière, main noire, céramique. Domaine de la sorcière. Alors on a des hiboux à trouver. Ok. Comment on les trouve?
c'est lui. Il n'y en a pas un qui sort de lui. J'entends un ouh. Dans les petites cages là. Une petite cage qui bouge. Pas de hibou dedans. Est-ce qu'il faut suivre le bruit? S'il y a vraiment un truc avec le bruit ou c'est juste du bruit de fond comme ça? Non, petit chat, on ne joue pas avec le corbeau sur l'écran. C'est vrai que j'ai des pouvoirs magiques, moi. Un petit hibou, où est-ce qu'il y en a qui se cache? Oh, ici. Au bas, au bas. Un bout de tablette. Tu as trouvé le fragment d'une ancienne tablette de savoir. Elle est incomplète, mais tu sens une mystérieuse énergie le parcourir. Edin. Bon, ils sont pas durs à manquer. Enfin, ils sont pas durs à trouver. Enfin, ils sont difficiles à manquer, vu comme ils sont gros. Trending on the way, tout à fait. Ah, merci pour le bannissement. Donc le ou c'est bien parce qu'il y en a un proche, ok, c'est bon à savoir. Il y en a un par hasard là-bas? Je crois pas, sinon... je l'aurais vu quand même. Ça s'est fait auto, je pense. Ah non, c'est Window qui a banni. J'ai vu quelqu'un bannir, j'ai cru que c'était toi, mais c'est Window. Merci Window, gardien, gardien de toujours. Non, en vrai, je l'ai pas banni parce que... Enfin, je crois que ça se voit pas pour les noms... Les noms modos. Je me suis dit... est-ce que je me fais chier à faire alt-tab pour bannir quelqu'un, un message que personne ne voit. Et de toute façon, des bots, il y en a qui viennent comme ça à chaque stream. Donc c'est un peu tous les bloqués, c'est un peu relou. Ah non mais attendez, ça se trouve des hibou, il y en a un dans chaque zone, il n'y en a pas du tout un dans... Il n'y en a pas du tout trois dans cette zone-là. Parce que je n'entends plus de houhou, hein. Les bots, ça va, ça vient, c'est ça. Ah oui, non, je crois bien qu'il y a un seul hibou par zone. Si le personnage avance, c'est pas moi. C'est un chasseur en clavier. Ouais, c'est ça. Donc la prochaine tablette, c'est dans les ruines. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir le coffre. Quel coffre? Partons. C'est où la sortie? Oh. La vraie Death Door, c'est les bottes qu'on s'est fait sur le chemin. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Petit vilain chat. Non, 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 non. Regardez qui veut jouer avec le petit corbeau qu'il y a sur l'écran. Hein? Regardez-moi ça. Il fait noir, je trouve. Hop, lumière. On va repartir, on va prendre... Ça pue, non? Je sais pas. On va prendre la porte qui est ici.
Non, pas ma boucle d'oreille. Enfin, madame. Du coup, les ruines, c'est là-bas. Les ruines broussailleuses. Alors, un coffre. Une histoire de coffre. Ok. Je regarde les indices. Je regarde pas les solus. Ah, il y a également un hibou à trouver ici. Je regarde pas les solutions et je regarde les solutions en cas de j'en ai marre et je suis bloqué. Aïe, tu te calmes. Non. Ça suffit, merci. Alors un coffre. Où est-ce qu'on trouve un coffre? Le chat a décidé de mettre pause. Arrête de marcher sur ce clavier. Oh, le coffre est là. Il n'y a plus d'eau. Avant, il y avait de l'eau. Le coffre est là. Oh, c'est un combat, ça. J'ai plus de vie. Oh non. Ok. C'est longtemps que j'ai pas joué, donc est-ce que je sais encore me battre? Ok, pour l'instant ça va. Oh là! Je suis concentré, hein. J'ai besoin d'un peu de concentration. Ok. Aïe! Oh merde! Je pensais avoir suffisamment roulé. Pas du tout. Ok. Bon, on n'avait que 2 points de vie aussi, ou 3, je sais plus, donc forcément. Voilà. Merde! Merde! Oh bah zut! Plus de mana. Ok, tranquille, tranquille. Aïe! Saloperie. Aïe! Saloperie! Elles sont vives, ces araignées. Dommage que ces explosions à lui ne font pas des dégâts aux autres. Ah merde, je m'attendais pas à ce qu'il tape 2 fois. L'autre jour, je me suis fait du popcorn avec le sel que vous m'aviez offert. Ah ouais, c'était bon alors? Bon, allez, on perd pas des dégâts bêtement sur la première phase parce qu'on est stupide. Genre, je pensais que j'allais cancel. Putain! Je pensais que j'allais cancel son attaque en la tapant, mais pas du tout.
Elle est où la sorcière? Oh, il m'a tapé à travers le truc. C'était top, cool. Ah merde, elle est pas morte. Je pensais qu'elle était morte. Ça m'a déconcentré du coup de la voir. C'est vrai que notre feu brûle maintenant grâce à notre power-up. Ça me gratte le nez. Ah, j'ai réagi trop tard. Merde! Merde! À deux doigts de me laisser mourir parce que j'en ai marre. Non mais please. Merde. Ah là là, je fais n'importe quoi. Tu es mort, je suis mort. Tout à fait, c'est le message. Oula, il y a un petit chat qui se lève. Merde. Je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver. C'est juste qu'il faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Donc il y a l'autre là qui va me sauter dessus. Elle saute. Il saute que quand ça l'arrange. Merde. Ah putain, tu me casses les couilles toi. Mais j'ai aucun... Quand on se fait toucher, il y a quasiment... Enfin, il n'y a aucun moment de... On tombe. Donc on est stun déjà. Et juste après, il n'y a aucun, aucun moment de... Comment on dit, où on est invincible. Allez. Là, j'étais pas concentré. C'est l'autre archer de mort, là, qui m'enchaîne et qui me... Du coup, me déconcentre sur tout... tout le combat. Faut que je le focus lui, d'abord. Voilà. Déjà c'est mieux. Ok. Merde. Alors par contre, non non non, s'il y a un chat sur le clavier, ça va pas y aller. Ça va pas le marcher. Ok, la brûlure l'a tué. C'est bon, c'est lui que je visais en premier. Merde. Merde! Ah non, 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 j'ai pas fait tout ça pour maintenant, ouais. C'est la guerre. Il n'en reste plus qu'une. Voilà. C'est bon. GG, merci. First try, bien sûr. Je vais chercher de l'eau.
C'est bon, bouteille d'eau fraîche. Il t'aurait balancé un combat, j'aurais ri. C'est vrai que ça aurait été extrêmement comique. Merde. T'as mais Outer Wilds, la touche d'action c'est X, du coup j'appuie sur X, mais alors que dans Death Door, c'est Y. Ok, donc faut qu'on trouve le hibou. Les jeux différents, ils ont pas les mêmes touches habiles. Non mais oui, mais quand tu passes d'un jeu et que juste après, c'est très différent. Oh, j'en ai plein le cul, cassez-vous. Oh, le popcorn avec le sel, c'est GG. J'avoue, c'est GG. Ah, où est-ce qu'il va être? J'espère qu'il est pas à l'endroit où je n'arrive pas à aller. C'est-à-dire... Tout là-bas, là. Tout là-bas. Merci. Oh, il y a un chat dans le bac à linge sale. J'entends que ça se rapproche. Je sais pas si ça vraiment, si le son se rapproche ou pas, mais... Ouh. Merde, je regarde le chat et je tombe. Don't at me. Aïe, 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 perso, je préfère le popcorn caramélisé, mais... Mais c'est tout à fait ok d'aimer le popcorn salé. J'aime bien aussi. J'entends que ça se rapproche. Il est par là. Il est par là, le hibou. Je peux pas monter là. Lolo, tu t'étires devant le chat, c'est bien, je ne vois plus rien. T'as le droit d'avoir toi, pas de soucis. J'ai l'impression qu'il y a conflit dans le chat. Il y a des avis divergents. En même temps, popcorn sucré, t'as genre sucre ou caramel. C'est vrai. Il est là! Ouh. Tout le reste des saveurs du monde. Je prends. Placé à côté de l'autre fragment, c'est comme s'il voulait te dire quelque chose. Après, c'est quoi? C'est dans les Flooded, dans la Flooded Fortress. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je carry Jefferson to the mentioned location. Minish Cap, oui, t'as vu? J'ai pas joué à Minish Cap. Alors comment je... Quelle est la façon la plus rapide de rentrer? Par là peut-être. Je pense bien que oui. Peut-être pas en fait. Oh, c'est par où? J'avais pas la console quand il est sorti et que j'avais aucun sens critique. Maintenant, j'ai les deux et ça a l'air chiant. Ah bon? Et je peux faire demi-tour par là? Ouais, mais non. Ah. Il a l'air long. Ah ouais. Terrible ça. En vrai, j'aime bien le popcorn salé aussi, mais comme je préfère manger du popcorn en dessert ou en goûter,
Ça se tient. Je dirais que je suis un peu pareil. J'ai des fourmis! Qu'est-ce que tu fais? Tu grimpes à la chaise derrière, super. Du coup, forteresse inondée. C'est cool. Pardon, je suis en famille, donc je réponds 1000 ans après la guerre. Ah non, mais il n'y a pas de problème avec le goûter salé. C'était quoi déjà? Ah oui, Jefferson. Et où Jefferson? Jefferson, il est pas là normalement. Il part de où lui? Ah oui, mais non, mais faut aller. Attends. Faut aller voir Jefferson dans son resto. Par où déjà? C'est là. Secours. C'est pas là. Je suis pas touché par ça, mais j'entends. Ouais, moi aussi, je suis un peu accro au sucre. Malheureusement. D'ailleurs, je n'ai pas goûté, sachez-le, et j'ai faim. Allons voir Jefferson. Chacun ses vices, oui. Rider Brutus. Brutus, non Brutus. Alors Jefferson, tu dors pas toi? Si tu dors. Enfin, le cadavre dort. Ah, il est là. Nounours, c'est toi? Oh! Oh! Non! Tu m'as pris la main dans le bocal. Enfin, façon de parler. Oui, j'avoue tout. Je ne suis pas aussi humanoïde que le monde le croit. S'il te plaît, ne dis rien aux autres. Ce sera notre secret, d'accord? Bon, j'espère que tu sais mieux garder les secrets que moi. Écoute, si tu gardes ça pour toi, je peux te montrer le plus grand secret du monde. Allez, à cheval! Wow, j'ai le succès, parti en virée nocturne avec Jefferson. Allez, deux pattes. Partons pour le domaine du roi crapaud. Eh, tu es beaucoup plus agile que moi sur tes deux pattes. Superbe, j'ai Jefferson sur le dos. Oh, je ne peux pas aller là. Il va falloir marcher à pied. Tu as des pieds, hein? Oh, terrible! Merveilleux. J'espère que vous adorez le. J'ai pas méga mangé aujourd'hui, du coup j'ai faim aussi. En même temps, il est 20h, c'est ok d'avoir faim aussi, mais il faut manger, messieurs. C'est vrai qu'il faut manger les 20h. Gab les bons conseils. Je voulais finir là. C'est excitant de partir à l'aventure. Je sens l'adrénaline dans mes tentacules. Je voulais finir la true ending histoire de pas faire deux VOD de merde sur la true ending là. C'est pas par là. Mais on va peut-être pas avoir le choix. Que ferais-tu sans moi? Si tes pattes sont fatiguées, tu peux me ramener à mon bocal. Non, non, t'es caté. Comment on va à la forteresse inondée déjà? Faut passer par les ruines, hein, broussailleuses. C'est pas par là du tout, j'adore. Star by guess. Envie de tester la grève de la faim. Je comprends moi non plus. Cet endroit me fait peur. Je crois que j'ai vu un fantôme. Non, non, je les ai tous ramenés à leur spot TKT. Foodies love. Que José Pulture il nous dit un truc si on a un poulpe sur le dos.
Non. Enfin, c'est plutôt un calamar, je ne sais pas en fait. Sachez que je sais seulement approximativement par où on va. Par là, je crois. attendez. C'est là, non? Il y a un chat dehors. Regardez mes tentacules au vent. Quelle belle nuit pour une promenade romantique en gondole. Merci, truc. C'est où du coup par maintenant la... Les ruines inondées, je ne sais plus. Je peux péter ça d'ailleurs. Par par les ruines fongiques. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Merveilleux ça. Merde, oh, je suppose que tu ne flottes pas comme l'autre type. Mais j'y retourne en plus. Je voulais appuyer sur A pour passer le dialogue parce que je pensais qu'il fallait passer le dialogue, mais pas du tout. Je repars, bisous. Tu voulais pas regarder Culture Clash? Bisous, bah je regarderai en cours de route. Merci d'être passé, bye bye. Nous y sommes presque. Ouvre bien tes membranes oculaires et laisse la lune te guider. Laisse la lune te guider. Le monde des esprits est étroitement lié à la lune. Sa clarté nous guidera vers notre destination. D'accord, mais je ne vois pas la lune. Ah, je vois la lune. D'accord. Et maintenant? Ah oui, d'accord, c'est ouvert par là. Le mec qui ne suit pas. Stylé, stylé. C'est bien qu'il n'y ait presque pas d'ennemis la nuit. Ça nous permet de se balader tranquille. Attention, on ne tombe pas. The fuck is Culture Clash? C'est un événement d'étoiles qui fait enfin, question pour un champion avec des thèmes de Twitch, enfin du jeu vidéo, tout ça. Avec donc du coup des duos de streamers et de participants-participantes de jeux concours comme ça à la télé, du type question pour un champion, tout ça, les 12 coups de minuit, enfin bref, des trucs comme ça quoi. C'est là, je vais demander aux esprits de nous montrer leurs secrets. Mais des participants qui ont gagné beaucoup de sous quoi, des winners. Esprit des profondeurs, s'il te plaît, sois chic, montre-nous tes trésors. Ah ok. Et... Oiseau terrestre, emporte ce cadeau des profondeurs. Que les ventouses de la vérité te guident dans ton voyage. Les ventouses de la vérité. Cette aventure m'a bien amusé, mon pote Bipat. Si tu veux refaire une virée nocturne, tu sais où me trouver. Je prends.
Ouais. C'est la prochaine tablette, c'est quoi? Et attendez, j'ai reçu une photo. Alors disais-je, la prochaine tablette, c'est quoi? On a fait ça. Ensuite, c'est ça. C'est où? C'est dans la neige. Il faut allumer 6 brasiers. Oh, ah, terrible. Pas de réaction à la photo. C'était un cul, c'est sûr. Eh bien non, malheureusement, ce n'était pas un cul. C'était un lapin dans sa litière. Et juste avant, c'était une photo de curry qui m'a donné très envie d'en manger. J'étais invité. J'étais invité? J'étais. Oui, j'étais invité. Enfin, j'étais invité. Mais j'ai refusé l'invitation parce que, après être allé à un mariage, j'avais besoin de ressources, de me ressourcer socialement parlant. Et je me suis dit, peut-être que c'est mieux de rester chez moi. Un cul de lapin. Tout à fait, un cul de lapin. Je pense qu'on va. Paf! 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 Du coup, le mec live, hein? Ouais! Bah ouais, pourquoi pas? C'est bien, non? Je suis dans mon monde. Me demande si on perd pas des sous quand on meurt. Peut-être. Donc. Vieille tour de garde. Je crois que c'est dans les vieilles tours de garde. Pardon. C'est ça. Faut que j'allume 6 brasiers. Je vois où c'est, mais comment on les allume? Enfin, je vois où c'est. Je me rappelle plus comment on y va, hein. Ne vous méprenez pas. Le stream c'est plus énergivore que l'inverse, c'est pour ça. Oui, je comprends. Futine l'époque c'était énergivore aussi. Maintenant, enfin, je me sens plus chill. Je fais ça dans mon coin, quoi. Et voilà. Et du coup, je sais pas, c'est un moment sympa. Ça me coûte pas beaucoup parce que ils sont là, les brasiers. Parce que. Ah, enfin, non, ils sont pas là. J'imagine que. À chaque fois que je vais allumer un brasier, un de ces brasiers-là va s'allumer. Comme je suis tout seul la plupart du temps, bah tranquille quoi. T'as pas deux lampes trop fortes dans la gueule, j'aussi j'imagine. C'est ça. J'ai pas deux lampes trop fortes dans la gueule, effectivement, je n'en ai qu'une qui est partiellement dans ma gueule. Donc ça va. Mais oui, j'avoue, ça c'est fatigant. C'est très fatigant d'avoir les lampes dans la gueule. Je peux pas m'accrocher à ça, ok. J'ai mal aux yeux, ouais, je comprends. Je comprends, moi j'ai arrêté les lights parce que pareil, ça fait mal aux yeux et tout, mais du coup, évidemment, la qualité de l'image en pâtit, évidemment. Je me dis pour. Pour ce qu'il en est de mon de ma condition de stream, c'est pas très grave. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, quoi. Sont où les brasiers? Je ne sais pas où sont les brasiers. Tu n'as pas commencé, toi. Non, non, non. Oh, c'est catastrophe.
Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. J'aimerais bien trouver un brasier. Ils sont où? Est tombé. Oh, bah super, on a trouvé le hibou. Prenons le dernier fragment d'une ancienne tablette de savoir. Les trois fragments fusionnent et tu sens son regard pénétrer ton âme. Rencontrer trois chouettes. C'est chouette. J'ai croisé aucun brasier, je le vis bien. Merci. Incroyable, qu'est-ce qui est incroyable? Faut que je descende? Oui. Tu t'es fait toucher par une chouette. Je me suis fait toucher par une chouette. C'est vrai. Mais d'habitude, on vient de l'autre côté. Eh ben super. Je ne vois pas de... Oh non, ils ont sauté dans le vide! Je ne vois pas de brasier. Et ça m'inquiète. De l'intérieur! Oh! J'ai pas vu. J'ai pas fait attention. Grâce à la tablette du savoir, c'est ça? Si vous voyez un brasier, criez. Tout simplement. Est-ce que c'est ces trucs-là? Non. C'est les moulins? Non. Je crois pas. Non, c'est pas possible. Je suis arrivé chez Betty là. Je suis totalement arrivé chez Betty. J'ai un truc dans l'œil. Bon, en vrai, il est temps d'aller manger. Je voulais faire qu'un seul stream sur la True Ending de Death Door, mais on est à. À peu près. On est à la sixième tablette sur 7. C'est dommage d'arrêter maintenant, mais j'ai faim. Voilà, tout simplement. J'ai faim, puis il faut préparer man à manger et tout. Donc le temps que ça se fasse, tout ça, je vais m'écouter et faire une seconde partie sur la fin la True Ending de Death Door. Voilà. On fera ça chill la prochaine fois. Demain, peut-être. Demain, on streamera sans doute. Je rentre un peu plus tard que d'habitude l'après-midi, mais Maëlys travaille, je crois. Enfin, même, je sais. Donc, on verra. Peut-être qu'on fera ça sur les 16 heures de taf. Je sais pas exactement à quelle heure, du coup. Voilà. Merci à celles et ceux qui sont passés. Merci, Wind Origin. Bisous, bonne fin de soirée, à très bientôt. Au revoir.